Hello, hello mes abonnés, donc bienvenue sur la chaîne de Cristal, j'espère que tout le monde est sur ma chaîne de Cristal. Alors oui, j'avais fait déjà un vlog, mais je l'ai supprimé. Parce que j'aime pas quand même. J'espère que cette fois-ci, je vais pas être coupée. Parce que dans l'autre, dans l'ancien vlog, je n'aimais pas, je sais pas, il y avait un truc qui... En fait, ça, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, voilà. Lundi, bah, vous savez, j'étais action. Non, vous savez pas, j'avais été action. Donc je vous ai mis le haul. Action, je crois, aujourd'hui. Oui, il me semble que ça doit être ça, oui. Je sais même plus tellement avec la fatigue. Bref. Et j'étais pas très bien ces derniers temps. J'étais un peu malade. Là, à partir d'aujourd'hui, ça commence vraiment à aller mieux. Je commence à remanger. Je commence à avoir le goût de l'appétit. Je commence à avoir tout parce que je commençais à tout perdre. Voilà. Et très fatiguée. Voilà. Et enfin, c'est pas les... Parce que moi, je croyais que c'était les enfants qui m'avaient fatiguée, mais non. C'est parce qu'en fait, ben, lundi, j'ai commencé à tomber malade. C'est génial, hein? Voilà, j'ai commencé à tomber malade. Et quand je vous dis malade, c'est vraiment malade, les amis. Donc c'est pour ça que j'étais aussi fatiguée que ça. Voilà. Et que je dis à tout le monde, ben, non, c'est les enfants qui m'ont fatiguée. Maintenant, c'est pas les petits qui m'ont fatiguée, c'est parce que je commençais à tomber malade. Voilà. J'avais le fond de la gorge qui me brûlait. Vous savez que ma maladie, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est très dur de manger. Donc, je mangeais que des sandwichs et encore, vous savez, sandwich au pain de mie. Mais j'en mangeais quoi? Un par jour, voire deux par jour et encore. Voilà, donc non, c'est pas ce qu'il faut faire, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Voilà. Là, il faudrait que, parce que je viens de vous tourner un haul Timou. Voilà, et je vais vous en tourner un, je sais pas quand, parce que Diadune, ils ont eu du retard pour ma commande. Ils m'ont dit, désolé, votre... Bref, ça me saoule, ça me saoule. Voilà. Bah, je me suis acheté un manteau dans le haul Temu, que vous verrez, voilà. Une doudoune noire, parce que noir ça passe avec partout, voilà. Après, je vais la reprendre en d'autres couleurs parce que je trouve qu'elle est bien. C'est moi qui ai pas un tout petit peu plus grande, parce que bah quand vous mettez comme ça avec le pull vert, oui ça passe avec le pull vert. Avec le short ça passe, voilà. Mais avec le pull vert, je sais pas si ça va trop passer avec le pull vert, le sac. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà quoi. Voilà. Et moi je kiffe. Je kiffe, elle a des poches partout. Elle est magnifique. Alors le prix, je pourrais pas vous le dire parce que je m'en rappelle plus. Et puis le site, il ne veut pas me donner. Voilà. Alors les deux plaids que j'ai eu, il y en a un 18 euros et un 22 euros. Voilà. Parce que avant que le site me bloque, je ne sais pas pourquoi. Voilà. De Timou. Ben. Je voyais les prix. Mais pour la doudoune, j'ai pas vu les prix, malheureusement. Voilà, et je me rappelle plus des prix. Voilà. Et je vais la recommander en blanc et en rose parce qu'elle est trop belle. Voilà, vous voyez, elle est assez longue. Elle est assez longue. Donc ça va vachement le faire. Voilà. En plus, elle a une poche au niveau d'ici là. Voilà. Donc c'est magnifique. La fourrure, comme j'aime. Trop cool. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle va rentrer dans ma machine à laver? Bonne question que j'aimerais bien laver. Vous savez que moi j'aime pas pour essayer, oui. Mais bon, après j'aime pas, vous voyez, j'attrape assez vite des boutons. Voilà. La preuve en est. Je sais pas si ça se voit, mais j'en ai plein. Je suis blindée de boutons. Parce que j'ai fait une allergie encore, voilà. Vous savez que je suis tellement fragile que voilà quoi. Puis en plus, pourquoi je suis retombée malade encore? Parce que ben. Comment vous dire ça en fait? Bah ben, en fait, je suis retombée malade. Parce qu'en fait, moi, vous savez que j'ai plus de défense immunitaire. Donc, tout ce qui passe, les microbes, des machins, moindre truc, c'est pour Bibi. Elle l'attrape. Donc, j'ai attrapé un truc à la gorge. Voilà. Voilà. Même là, je le sens encore. Que je fais comme ça me fait mal. J'ai plus mal à l'intérieur de la gorge, mais j'ai quand même encore des restes. Voilà, donc j'y avais des restes. Bref, désolé. Et en même temps, il y a la télévision, donc je suis perturbée par la télévision. Je suis désolée, les amis. Voilà. En tout cas, je suis très fière de... En tout cas, pour une fois, parce qu'à chaque fois, j'étais un manteau. Ça ne me va jamais. Voilà. J'ai acheté un il y a 2020.
2023, je crois, ou 2022, je sais plus. Bref, ça faisait. Ouais, bref, j'avais acheté un manteau, vous savez, un manteau classique, normal, vous savez, noir. Et là, j'ai acheté une doudoune noire, et je vais me la reprendre en rose, et je vais me la reprendre en blanc aussi, voilà. Mais les prix varient. On essaye de trouver les prix moins chers. Mais quand vous voyez que c'est moins cher, vous n'êtes pas sûr que ça va avoir la bonne taille. Voilà quoi. Je crois que je l'ai pris en 2XL. En 2XL, mais bon, après pour fermer ici, vous voyez, c'est un peu serré, vous voyez, donc on va éviter ce genre de truc. Voilà. Enfin bref, je suis très contente parce que pour une fois, j'ai un blouson qui me va. Pour ainsi dire. Voilà. J'espère qu'il va vraiment m'aller. Parce que quand je fais comme ça me va. Pas comme d'autres que j'avais acheté une fois là. Impossible de le faire comme ça me faisait archi mal ici. Vu que j'ai des gros bras. Enfin, si vous voyez, j'ai des super gros bras. Voilà. Donc ça ne me va pas. Voilà. Bref, on va refaire le haul Temu. Vous verrez le haul Temu en temps voulu. Voilà. J'ai été chercher quelques colis Vinted. Voilà. Et là, juste avant, je vais tourner une autre vidéo. Que vous verrez. Donc j'espère que ça vous plaira ma vidéo. Voilà. Et je vais parler aussi de. Plusieurs de petits concepts que je voudrais faire sur la chaîne. Vous savez, je voudrais faire avec vous. Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, je mange avec vous, je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions. Voilà. Et je mange avec vous. Voilà. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Hein. Dites-moi aussi à chaque fois que je fais une vidéo si ça vous plaît, si le concept vous plaît. Si, voilà. Parce que vous ne me dites pas trop tellement. Voilà. Après, pour ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo que j'avais faite sur la chaîne, la FAQ, famille, entre famille, voilà. Je pourrais faire différents thèmes aussi. Thème cinéma, ou un thème bien particulier, par exemple Halloween, ou je sais pas, film d'horreur. Vous voyez, voilà, j'ai plein de trucs dans la tête que je voudrais vous faire. Voilà, en ce moment, j'ai plein de vidéos en ligne. En stock, pardon. Voilà. Et donc bah, j'aimerais vous faire par exemple oui donc comme j'ai plein de vidéos à vous mettre en ligne voilà en stock je veux dire j'arrive même pas à parler en stock j'ai plein de vidéos en stock donc c'est pour ça que mon stockage n'est pas illimité voilà et que bah ça a coupé quand je vous ai tourné la première fois que je tournais le haul Temu donc j'ai de recommencer génial merci ma connerie parce que j'avais pas supprimé la vidéo que j'avais postée en ligne ce matin donc on est vendredi voilà donc ça sera un vlog je sais pas dans la semaine je vous le poste ou dimanche prochain je sais pas on va voir comment voilà. Si j'ai trop de choses à vous dire bah il sera mis dans la semaine voilà. Ensuite je vais vous dire que les vidéos de Diamond Painting je mettrai une par semaine comme ça vous saoulera pas comme ça au moins voilà parce que je pense qu'il y a des gens ça peut leur saouler que j'en mette trop voilà. Ils vont dire on voit plus que ça sur ta chaîne, patati patata, voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des réflexions sur les carnets. Mais ça, j'ai rien à faire moi. Moi, ça me. Enfin, je sais qu'il faut un 50-50. Je sais qu'il faut que ça. Je sais qu'il faut que ça vous plaise à vous. Autant que ça me plaît à moi. Voilà. Donc il faudrait un 50-50. Désolée, j'ai dû remonter. Comme d'habitude, vous le savez. Voilà. Là, ce qu'il faut, c'est que je range mon lit parce que j'ai les plaids que je vais pas vous montrer parce que vous irez voir la vidéo de Temu hein, et lundi je vais repasser une commande Temu voilà je vous dirai pas le montant parce que ça va être affolant voilà et donc après ensuite je vais mettre d'argent de côté pour aller dans un magasin de jouets et acheter les cadeaux de Noël pour les petits parce que je voulais pas faire comme ça mais je trouve pas ce que je veux sur les sites donc bah ça sera après. On sera fait autrement. Voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc, vous me dites si les nouveaux concepts vous plaisent. Et si mon concept que je vais vous que j'ai déjà fait il y a quelques temps. Franchement. Excusez-moi. Il y a quelques temps que j'ai fait sur la chaîne. Il y a quelques temps, alors ça veut dire l'année dernière, peut-être que je vous en ai fait. Vous savez, je mange, je vous raconte une histoire.
Là, c'est pas je mange et je vous raconte une histoire, c'est je mange et je réponds à vos questions. Voilà, donc comme une FAQ ou je sais pas, un truc. Voilà, donc vous mettez soit dans ce vlog, en commentaire de ce vlog, vos questions. Voilà, voilà, voilà. Et je répondrai. Voilà. Donc je répondrai jusqu'à temps que je peux. Voilà. Désolée pour le téléphone, ça me saoule. Ensuite, comme je suis, voilà. Donc j'ai arrêté de prendre ces deux trucs là, ça et l'autre à base de 41 d'huile essentielle. J'ai arrêté les deux parce que comme je suis tombée malade, et vous savez que moi je suis fragile avec ma maladie, avec mon cancer de la thyroïde, c'est impossible. J'avais tellement mal au fond de la gorge. Ah, j'ai encore des restes, mais je vais mieux. Je vais mieux qu'hier ou qu'avant-hier. Franchement, je vais mieux. Voilà. Donc, j'espère que ça va pas couper ma vidéo. J'espère parce que voilà quoi. Donc, je vous ai fait une vidéo d'un nouveau genre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo que je vous ai faite. Et donc, alors, pour vous dire le planning. Il faut que je me fasse un planning de toutes les choses que je dois faire dans ma vie de tous les jours, de tous les. Voilà. Sur mon PC. Il faudrait que je me fasse ça. Voilà. Je voulais acheter les cartouches d'encre pour lundi, mais je ne pense pas que ça va être possible vu qu'il n'y en a plus sur Amazon. À moins que mon fils viendra demain et m'en trouve des autres. Au même prix. Parce que je ne paierai pas plus cher. Voilà. Ou j'attends qu'ils en remettent. Voilà, voilà. Ça m'énerve un peu parce que j'ai pas mal de trucs à vous faire. Pour vous dire la vérité, j'avais pas mal de trucs à vous faire. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, quoi. Parce que je voulais commencer à vous faire je sais même plus. Mes trucs que j'avais dit que je ferais avec les blocs de 30-30, 15-15, et les washi tape que j'ai acheté de Noël. Tout ça ensemble, voilà, je voulais vous faire un truc, mais bon, après, je sais pas si c'est tellement possible. Désolée, j'ai dû remonter. Désolée encore pour ça aussi. J'ai pas tellement le choix parce que je suis encore, vous voyez, je suis encore bien que vous voyez. Désolée les amis, mais j'étais obligée de, voilà, de me. Voilà. C'est pas hier matin. Si je crois que c'était hier matin, je me suis réveillée et je vais pour la toilette normalement. D'un seul coup, je me suis mis à tousser. Je vous raconte même pas ce qui m'est arrivé. Hein, vous savez, comme je suis malade d'ici, ben en fait, toutes les glaires, les machins sont allés sortir. Je les ai retenus jusqu'à temps que j'arrive au lavabo. Et arrive au lavabo, j'ai tout recraché là. On aurait dit que j'ai du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. On aurait dit une hémorragie. Mais je l'ai bien senti dans la. Quand c'est passé dans la gorge, que c'était avec des. Je sais pas comment ça s'appelle ça, bref, des trucs bizarroïdes là. Ça faisait du sang, mais avec des. Voilà, donc ça se voyait bien que je suis vraiment bien prise de la gorge. Et que j'avais mal au fond de la gorge depuis lundi, ça a commencé. Voilà. Et là, bon, ça a l'air d'aller là. Parce qu'au début, j'ai pris deux ou trois Actvit. Non, pas tout en même temps, bien sûr, voilà, pour vous dire. Mais. Donc là, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai réussi aujourd'hui à prendre une douche. Parce que oui, j'étais tellement pas bien. Vous savez, quand on est malade comme moi, en fait, c'est la fatigue. La fatigue, elle prend le dessus sur toute la maladie. Et là, vous bougez plus. Vous êtes, on dirait, paralysé. Voilà. Moi, je me sens paralysée. Donc à chaque fois que je suis gravement malade, le seul truc que je fais pas, c'est la douche. Je suis désolée de vous dire ça, les amis, mais moi, quand je suis malade, j'ai pas la force de prendre une douche. Parce que vous êtes comme moi, mais moi j'ai pas la force du tout. Donc dès que je vais mieux ou je commence à aller mieux, j'ai foncé à la douche. J'ai fait un soin, un gommage, je sais pas quoi j'ai fait. Et pourtant, croyez-moi bien que je prends la douche tous les jours en principe. Hein. Mais là, quand je suis malade comme ça, c'est même pas la peine. J'arrive pas. J'ai pas la force.
fait, je vais me lever, j'y vais tomber. Voilà, où j'ai la tête, vous savez, où ça. Je sais pas, vous avez des bourdonnements dans la tête, vous voyez, je sais pas qu'est-ce que vous vraiment vous dire ça. Le matin, vous riez, vous avez une oreille qui est bouchée déjà. Je dis, ok, d'accord. Alors, déjà, d'une, ça commençait bien. Ah oui, parce que je vois la publicité de truc d'Halloween, là, de Jiffy, là. Est-ce que ça vous dirait que pour Halloween, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, que je me commande un déguisement? Alors, je vais me commander quelques déguisements. Désolée, j'ai encore des remontées. Donc je vais essayer de prendre un masque. Un masque qui essaye de ressembler le plus possible au vrai personnage. Un masque et un déguisement. Donc avec la perruque. Il me faudra la perruque et le costume. Voilà. Parce que maquiller, je sais pas faire. Voilà. Maintenant, en revenant à un peu de maquillage, vous m'avez dit, je sais que vous m'avez dit que, voilà. Oui, dans certaines vidéos, oui, ou c'est des vidéos à thème, oui, je me maquillerai plus. Voilà. J'essaie de me maquiller plus. Vous voyez, maintenant, vous voyez, plus en pyjama, vous voyez, je suis en t-shirt là. En bas, j'ai un pantalon parce que je suis sortie tout à l'heure pour aller chercher des colis Vinted. Voilà. Et dans le colis Vinted, bah, il y avait un collier pour mon fils qui a 10 ans, qui va sur ses 11 ans au mois de juin 2025. Voilà. Ensuite, je suis en train d'essayer de faire des choses, mais vous pouvez même pas vous imaginer dans ma tête. Dans ma tête, c'est un tout. Voilà. Et il faut que j'appelle mon chauffeur de taxi parce que j'ai plein de trucs à voir avec lui. Parce que mon fils. Ah oui, je vous ai pas dit. Je sais pas comment je fais pour rester la tête haute avec tout ce qui m'arrive en ce moment. J'ai mon fils de bas, on va en reparler encore de lui, voilà. Mon fils de 10 ans va se faire opérer à l'hôpital du 15-20 parce que ben, vous savez qu'il avait un strabisme, donc il avait un œil qui va être normal et un œil qui va. Donc quand il vous regarde, en fait, il vous dit qu'il vous regarde avec ses deux yeux, mais il a un œil qui. Voilà. Donc, on m'a dit, la médiatrice m'a expliqué que. Donc, moi, j'ai demandé si je pourrais être là au rendez-vous, patati patata, voilà. Donc, on verra. Bref, moi j'ai demandé si je. Voilà, parce que je vais pas me disputer avec le papa. Et si ça lui y va, soit moi j'y vais. Mais tous les deux, non. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de se voir du tout. Voilà. Moi et papa, ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas parlé. On peut être au même café, presque l'un à côté de l'autre. On ne se connaît pas. Moi je fais comme si je ne le connais pas, le papa. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que nous. Voilà. Je vous expliquerai pas les détails et pourquoi, parce que c'est un peu personnel, voilà. Bref, donc je vous dis que mon fils va se faire opérer au 15-20. Quand, je ne sais pas encore, parce que faut. Je ne me rappelle même plus du truc qu'ils m'ont dit. Bref, parce que tellement qu'il y a. Comme j'ai commencé à tomber malade, les informations, ça rentrait, mais mon cerveau ne va pas les imprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que, ben. Parce qu'en fait, ben, c'est. Voilà. C'est dur à dire, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, je vais avoir mon petit garçon de 10 ans, ben, il va se faire opérer des yeux. Hein. Et pour vous dire que cette opération, c'est soit à une chance sur 1 million, soit elle réussit, tout est normal, tout est correct. Parce qu'en fait, il est parti à l'ophtalmo, et à l'ophtalmo, ils lui ont dit que ben, sa vue s'était aggravée. Qu'il avait un. Je sais plus quoi à l'œil, voilà, maintenant. Donc il avait un réel problème à l'œil. Voilà, un réel problème à l'œil. Voilà. Donc, c'est soit pour régler ce problème qu'il a à l'œil là, en plus de son strabisme, c'est soit il l'opère et ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Là, c'est une lunette aveugle. Voilà quoi. Je me retiens pas à pleurer. Parce que c'est très dur pour moi. En plus avec la fatigue, c'est encore plus dur, voilà. Et je vais être là tous ces rendez-vous. Je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour mon fils. Parce que je l'aime de tout mon cœur. Malgré que des fois il me rend ouf. Voilà. Mais je les aime de tout mon cœur, mes 4 enfants. Dès qu'il y en a un que ça va pas, bah, ça me fait tellement mal, voilà.
Désolée. J'avais dit que je ferais pas, mais bon, je suis désolée. C'est plus fort que moi, quoi. En tant que maman, vous savez, en tant que cœur de maman, ça me déchire. Voilà. Bref. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout va bien réussir. J'espère que, voilà. Dans 2 mois, c'est. Parce que là, on est octobre, novembre, décembre, c'est l'anniversaire de ma princesse. Donc, je vais essayer de lui trouver ce qu'elle m'a demandé. Mais après, moi, je me dis pas, cette taille-là, c'est une petite taille. Vous voyez, parce qu'elle veut un cadre avec Lilo et Angel. Après, je sais pas si je peux trouver ça sur Temu ou AliExpress ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas où c'est que je peux trouver ça. Parce qu'elle adore ça, en fait. Enfin, je trouve ma fille aussi, elle aime bien copier sur les gens aussi. Je crois qu'elle aime bien copier sur les gens aussi. Voilà. Donc, il y en a un qui aime la Pâte Patrouille, il y en a une autre qui aime Lilo et Angel, un autre qui aime Harry Potter et les toupies Beyblade ou je sais pas quoi là. Bref. Parce qu'il a dit à mon fils, il a dit à son grand frère, ouais, il faut que le père il me ramène ça. Hein. Bref, ils ont tous dit un truc, voilà. Donc, bah, on va voir. On va voir qu'est-ce que. Alors, j'ai envie de leur prendre aussi des vêtements. Parce que si vous aurez vu mon fils de 10 ans. Je cherche plus à comprendre le pourquoi, comment il déchire ses affaires. Je cherche plus à comprendre. Donc, dans les commentaires, ne me dites rien là-dessus parce que s'il vous plaît. Ça me fatigue. Je lui achète. Vous vous rappelez de la paire de, les 2 paires de baskets d'Adidas que je lui ai acheté à 70 balles sur Amazon? Je vous raconterai par la suite. Il est venu avec un jean. Laissez tomber. Je sais plus comment faire avec ce gosse. Bref, c'est pas à lui qu'en tout cas que je vais lui acheter des vêtements. Parce qu'il prend pas soin de ses affaires. Ma fille, elle veut un truc, bah vous savez, hein, Angel et Stitch. Donc je vais essayer de lui trouver ce vêtement Angel et Stitch. J'ai trouvé sur Amazon, mais c'est pas donné, c'est cher. C'est. Voilà, donc on va voir. On va voir. Je vais acheter des cadeaux sur. Alors je vais essayer de trouver sur. Ah, comment ça s'appelle? Pas sûr. Dans. Oh, chez Primark. Parce que je sais qu'ils vont pas mal de Lilo et Angel. Donc si j'arrive à trouver un beau survêtement Lilo et Angel pour ma fille, bah, pas trop cher. 20 balles, 25 balles. Ça passe, mais je ne mettrai pas plus de 30 euros. Parce que je me dis, c'est cher pour un enfant, voilà. Surtout pour ce qu'ils vont en faire. En plus, c'est sa grande. C'est vrai que ouais, c'est ça. Parce que les enfants, ça grandit tellement vite, mais non. Désolée. Parce que ma fille, ben, elle a un problème. Vous savez que ma fille, c'est une personne de petite taille. Alors, elle n'a pas un anis, elle n'a pas tout ça, c'est pas ça du tout, c'est une autre maladie qui a fait que, voilà. Qu'elle prend pas beaucoup de poids, qu'elle grossit pas trop. Hein. Et son frère, la fois, ben, lundi, il lui a fait une remarque. Donc je l'ai repris, je dis, ben non, tu t'as pas le droit de dire ça à ta soeur. En fait, t'imagines si elle aurait entendu ça? Tu peux pas dire à ta soeur. Parce qu'il dit oui, je lui dis oui, c'est ta grande soeur et toi, il faut la respecter. Enfin, tu sais, tu chamailles tout le temps avec tes frères et soeurs. Il me dit oui, mais ma soeur, je suis plus grande qu'elle, en taille. Je lui dis, mais t'as pas le droit de dire ça à ta soeur, parce que ta soeur, tu te rends qu'elle a un problème de santé, elle a une maladie, elle a un truc, voilà. Ce qui fait qu'il faut que tu apprennes à ne pas dire ça. Ça ne se dit pas, en fait. Ça peut la blesser, ça peut lui faire du mal si elle a entendu. Voilà. Mais ça, un enfant de 6 ans, vous savez, c'est encore compliqué de comprendre tout ça, vous savez, je pense. Voilà. Ils n'arrêtent pas de chamailler. Qu'est-ce qu'ils sont pas arrêtés de se chamailler lundi? Bon, il y a une histoire, c'est un peu de ma faute. Parce que je lui ai donné. Un truc à Enzo et un truc à Belkacem. J'ai donné 2 trucs à Enzo et rien du tout à Belkacem. Donc je dis à Enzo, tu partageras avec Belkacem. Parce que quand je me suis rendu compte de ça dans ma tête, bah oui. Parce que je cherchais un autre truc. Et il n'y avait pas en fait. Donc j'ai donné 2 trucs à Enzo. Enfin, à mon fils. Pardon, à mon fils. Mon fils de 6 ans, bah, je lui ai donné 2 trucs qui étaient prévus pour son frère de 10 ans. Voilà. Et donc, bah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'ils sont fait que se chamailler. Voilà. Non, mais moi aussi, voilà, c'est ça aussi. Quand la maladie aussi a commencé à prendre le pas, vous voyez, j'étais vraiment fatiguée, j'étais au bout de ma vie, franchement. Après, j'étais à Action, bah, parce que je devais aller à Action, et j'étais au plus près. Voilà. Donc, c'était ça qui était dans une autre ville. Et en plus, j'ai fait Action, j'ai fait aussi Auchan parce que j'avais oublié encore d'acheter des trucs, et j'ai encore oublié d'acheter des trucs que je vais racheter la semaine prochaine pour Halloween, pour la vente d'Halloween, que je vais me faire. Voilà. C'est magnifique comme j'ai plus de. Vous savez, moi, quand je suis malade, il n'y a rien qui passe. Dans mon cerveau, j'enregistre rien, j'oublie beaucoup de trucs parce que
La fatigue, moi, quand la fatigue, elle me prend la tête, moi, quand je suis super fatiguée, c'est vite fait, c'est. J'aboie, en fait, j'aboie sur les gens. Et dis à mon fils de grand, parce que j'étais avec lui, je dis. Ah, donc, je lui ai fait vachement plaisir. Parce que si vous avez vu mon haul action, bah, vous avez vu que je lui ai fait vachement plaisir à mon fils pour une fois. Voilà. J'ai pris encore pas mal de bricoles, de conneries, de. Pour de la nourriture encore. Ça me saoule. Parce qu'à la base, j'étais pas prévu de ça. À la base, j'étais prévu pour prendre des trucs à 7 euros. Parce que je vais prendre diamant de painting et prendre les pots de. À pot de corne. Les boîtes à pot de corne, ou je sais pas comment on dit ça. Bref. Et en fait, je les ai pas trouvés, donc bah, j'ai pas pris. Voilà. À un moment donné, ça m'a tellement saoulé, je dis à mon fils, il est là pour on passe en caisse, voilà. Donc en fin de compte, bah, dans chaque rayon où je suis passée, bah, en fait, compte, et, hop, bah, il faut 4 boîtes de mouchoirs. On a pris les... En fait, on est passé devant, bah, on a pris les 4 boîtes de mouchoirs. Alors que c'était pas prévu, du coup, je faisais ça, vous voyez. C'est vrai, comme on dit, on va à action, on repart toujours avec quelque chose de plus. Voilà. Là, je vais devoir retourner à action parce que j'ai oublié encore de prendre des trucs. Voilà, et je sais que dans mon action, il y en a plein. J'espère qu'il y en aura encore pour que je puisse prendre des choses. Voilà. Et je voudrais faire une surprise à ma fille. Lui faire un beau cadeau. Mais malheureusement, comment vous dire ça? J'ai perdu. Je sais pas où j'ai mis les. Vous savez, avant, j'avais des petits flacons de. De. Ah, comment ça s'appelle ça encore? De paillettes là. La colle avec des paillettes là. Chez Action, j'en avais aussi des autres aussi. Et impossible de remettre la main dessus. Impossible de remettre la main dessus. Je sais pas où c'est passé ça. J'avais. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Des. Sous. Bref, vous avez dû déjà voir ça dans d'autres vidéos. J'en avais plein, 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 plein. Et impossible de remettre la main dessus. Voilà. Bref. J'avais aussi la colapette, ça s'appelle, voilà, j'en avais plein. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs de grande marque que j'avais, mais je sais pas où c'est passé. Bon, bref. J'avais. J'avais pas mal de washi tape aussi, je sais pas où c'est passé. Parce que la boîte, je sais pas où je l'ai foutue. Voilà, les boîtes, je sais pas où elles sont rangées. Impossible de trouver ça. Bref. Que je vais vous dire d'autre encore. Là, je vais mettre les plaids à laver. Voilà. Là, je fais tourner la machine à laver demain matin parce que là, je suis fatiguée là. Et là, j'ai plus de courage de faire quoi que ce soit. Voilà. Alors ça, j'ai pas fait beaucoup de ménage cette semaine parce que bah d'habitude, vous voyez, je suis énergétique. Je vous raconte que j'ai fait beaucoup de ménage et ça, mais là, j'ai rien fait du tout. Je suis tellement fatiguée, j'ai rien fait du tout à part de me reposer, de regarder des DVD, des films. Et puis voilà quoi. Comme j'étais malade, j'ai préféré mieux me faire ça. Voilà. Voilà. En plus, j'avais pris au début de la semaine, j'avais pris lundi, je crois que c'était lundi, je crois. J'ai pris des aiguilles sur aiguilles. Moi, j'avais mal au fond de la gorge, j'avais la gorge qui me brûlait, mais vous savez, avec ma maladie, c'est triplé par 10 pour avoir 100. Voilà. Et comme j'ai plus de défense immunitaire, bah, j'attrape toutes les merdes, tous les machins. Voilà. Et en plus, je perds les goûts aussi. De plus en plus, je perds les goûts. Alors on m'a dit oui c'est normal parce que tu as eu le Covid et les gens qui perdent les goûts bah ils se remettent pas tout de suite comme ça voilà. Ça me saoule d'être tout le temps malade en fait. Chaque 2 mois, chaque 3 mois je suis malade. Ça me fatigue énormément d'être malade. C'est pas quand je vais voir mes enfants qu'il faut que je tombe malade. C'est soit avant ou soit longtemps après, mais pas là quand. Bref, vous avez compris ce que je vais vous dire. Mes enfants ils m'ont demandé un truc, mais moi je suis pas pour. Désolée. Désolée, je suis en train de faire des trucs devant vous. C'est un truc de ouf. Voilà. Ça va pas du tout, moi, en ce moment. Allez, voilà. Ça ne va pas du tout. Ouais, bah, franchement, hein. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Je vais essayer de faire des choses bien. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog-là. Voilà. Donc, je sais pas si je le posterai le week-end. Alors, pas ce week-end. Soit je le poste l'autre week-end d'après.
Donc on sera déjà novembre. Désolée. Soit on sera au mois de novembre. Voilà. Ou soit dans la semaine prochaine, je le poste. Voilà. Parce que, désolé les amis, mais j'ai pas spécialement envie de. Fait, j'ai tellement de vidéos en stock que j'ai de quoi vous faire. Puis en fait, chaque semaine. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est. Je vous poste une vidéo, je la supprime une fois qu'elle est postée sur YouTube. Et ensuite, après, je refais une autre vidéo si j'ai besoin. Vous voyez? Voilà. Là, j'en ai du stock. J'ai. Je sais plus combien de vidéos en stock. Ouais, mais à chaque fois, j'en ai. Vous voyez, comme là, ça fait troisième vidéo que je vous tourne. Donc, en fait, bah, j'ai de quoi vous faire, en fait. Voilà. Mais je vais pas vous faire trop de vlogs non plus. Je vais pas vous faire trop non plus de hand painting de vous poster ça. Voilà. Des hauts Temu. 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 Je peux appeler ça comme vous voulez. Bref. Là, vous allez en avoir un. Peut-être demain. Je crois. Demain, le samedi. Dimanche, c'est le vlog. Lundi, peut-être vous aurez la vidéo que je devais vous tourner. Que je vous ai tournée là aujourd'hui. Voilà. En plus du vlog et de la ultime. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu, ma petite vidéo. Ah, j'arrive pas. Ça me gratte partout. Désolée, si je suis pas très bien en ce moment. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis. N'oubliez pas de liker. Liker, partager, commenter, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour un prochain vlog sur la. Allez, à vous tous sur la chaîne de. Et bah, Crystal, bisous les amours, je vous aime.